I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of it. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo après guerre d'État. Donc, pour commencer, la bonne nouvelle, l'État 118 a gagné avec les TAO. Alors, ça a été dur, mais on s'en est sorti. Alors, on va pouvoir parler de la phase de guérison qui arrive après la phase de guerre. La phase de guérison de récupération. Plus 20% de vitesse de guérison, qui ouvre dans un jour et 8 heures. Et vous aurez des récompenses pour avoir guéri des troupes. Ensuite, il y a les coupons. En cliquant sur l'événement affrontement de la capitale inter-état et réanimation des troupes mortes, vous verrez les troupes que vous pouvez réanimer. Alors, premièrement, vous pouvez acheter des kits de réanimation, vous pouvez en acheter 10%. Donc, on va le faire ensemble, il faut juste que je mette des biocaps. Ah non, je dois en avoir assez peut-être. Hop, réanimation des troupes mortes, donc 50, 100, 150, 200, 250, 300. Voilà, limite d'achat atteinte. Il y avait eu un petit souci. Ensuite, pour recevoir des coupons, vous pouvez envoyer un allié. Par exemple, voilà, hop, envoyer. Demande d'aide ou envoyer à l'Alliance. Je vais leur dire, ne donnez pas. C'est pour un stream. Ensuite, vous pouvez voir ici, dans les informations qui sont données, troupes réanimables, 54 872. C'est... Donc ça veut dire que moi, j'ai 60% de ces deux troupes qui n'apparaissent pas dans ça. Par exemple, si j'avais un taux de réanimation à 90%, mon taux de troupes réanimables serait plus élevé. Donc, si vous avez 5000 troupes mortes, ne faites pas de demande de coupons, attendez le dernier moment. Si vous attendez pas, vous allez perdre des coupons dans le vent, étant donné que vous aurez pris des coupons à quelqu'un qui aurait pu avoir 200, 300, 400, 500 000 morts. Et lui, il aura peut-être plus de coupons pour lui. Alors, moi personnellement, je conseille toujours de réanimer sur celui qui a perdu le plus de troupes en premier, et ainsi de suite. Étant donné que si vous n'en avez pas perdu beaucoup, les coupons sont gaspillés. Alors ensuite, il va y avoir donc ces phases de guérison derrière. Ah oui, et j'oubliais le plus important, une fois que vous avez eu vos coupons, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton réanimer pour récupérer vos troupes. Et pour cette phase-là, c'est tout ce qu'on va pouvoir dire. On va juste aller voir. Dans l'état 121. Donc, notre gouverneur, c'est donc Spectre. C'est l'un des joueurs qui est le meilleur humain au niveau gentillesse de notre état, et on va aller voir. Donc dans l'état 121, normalement c'est myopathie qui apparaît, myopathie. Et alors, comment on va le voir? Journal de guerre, on a laissé la capitale durer 12 heures après nos 6 heures d'occupation. Et comme on le voit ici, on est les premiers à les envahir, à réussir à les battre. Et nous sommes toujours invaincus dans l'état 118.
On va espérer que ça reste comme ça encore bien longtemps. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Back down.